Je suis sur un atelier qui concerne les couverts permanents. Donc ici, on est devant des blés en fait qui ont des couverts de trèfle au pied. Et ces couverts-là, en fait, ont été implantés il y a déjà plus d'un an à l'occasion d'un semis d'un colza. Donc les objectifs, les enjeux sur cet atelier-là, c'est d'essayer de voir quels peuvent être les bénéfices apportés par ces couverts, que ce soit au niveau de la qualité du sol, au niveau de la gestion des adventices, est-ce qu'on arrive à être concurrentiel ou pas, et est-ce qu'on arrive à adapter les programmes de désherbage pour réussir à détruire les adventices sans détruire le couvert, pour qu'on puisse encore profiter de ces bénéfices en termes d'apport d'azote, de piégeage de phosphore, de carbone, etc. Donc ici, on est devant une parcelle où on a un blé qui a été semé en direct dans un couvert permanent de trèfle violet. Donc l'enjeu ici, c'est de réussir à obtenir ce couvert qui puisse être assez développé pour concurrencer les adventices, mais ne pas concurrencer la culture en place. Donc là, ici, on voit qu'on a eu des adaptations à faire en termes de stratégie de désherbage pour trouver des matières actives et des doses qui puissent permettre de gérer les adventices sans trop perturber la culture du trèfle. Parce que l'idée, c'est d'essayer de le garder encore quelques campagnes de plus. Là, il a déjà accompagné deux cultures, le précédent qui était un colza avec lequel il a été semé, ce blé-ci. Et ce qu'on espère, c'est qu'une fois la récolte passée, le couvert de trèfle puisse reprendre le dessus pour apporter une couverture de sol qui puisse protéger les sols, apporter des nutriments, améliorer la structure, et ensuite aller semer une autre culture dans ce couvert sans qu'il soit détruit, mais sans qu'il soit non plus trop développé pour ne pas être trop concurrentiel sur la culture. Donc ici, on est dans un système qui est céréalier où on cherche surtout à avoir des bénéfices en termes d'apport d'azote et de couverture du sol. Mais on pourrait imaginer dans des systèmes avec élevage avoir aussi finalement une valorisation de ce couvert-là au niveau de l'alimentation du bétail. On est sur un couvert permanent à base de légumineuses. Donc ici, c'est un trèfle violet. Donc comme toutes les légumineuses, il présente l'intérêt de pouvoir fixer l'azote atmosphérique et donc d'apporter de l'azote gratuitement dans mon système. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce qu'un couvert permanent, qui est donc vivant et pas en décomposition, peut m'apporter de l'azote au niveau de ma culture. Donc la réponse, ça va être oui, mais en moindre mesure qu'un couvert qui va être en décomposition. Et donc, par exemple, sur cette parcelle-ci, entre les modalités de blé avec trèfle et le témoin là-bas où on n'a pas de trèfle, on avait un reliquat sorti hiver qui était plus riche de 25 unités. Donc c'est-à-dire qu'en blé sans trèfle, on avait un reliquat qui était à 20 unités, alors qu'en reliquat sorti hiver avec trèfle, on était à 45 unités. Donc un gain de 25 unités sur ma culture de blé.